L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Veuillez mettre les téléphones sur le mode silencieux. Ministère public contre M. Cécile Raphaël Abba, M. Alpha Amadou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kiegboro Camara, M. Brema Camara Di Kalonzo, M. Aboubakar Gakite Di Toumba, M. Blaise Goumou, Monsieur Moussa Dadis Camara, Monsieur Mamadou Ali Oukeita, Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby, Monsieur Paul Mansa Guilavogui, les partis civils, Monsieur Ouri Baye Loba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA, est-ce que M. Mamadi Kondé est dans la salle? Est-ce que l'interprète est là? Parler dans quelle langue, monsieur? Ma langue. Malinké. Malinké? Oui. Vous avez le choix. Hein? Vous pouvez, si vous voulez parler en étant debout ou en étant assis, voilà, vous avez le choix. Oui. Traduisez ça pour lui, s'il vous plaît, en malinké. Quel est votre nom? Ito. Mamadi Kondé. Mamadi Kondé. Vous avez quel âge? Isangel. 1980. 1980. Où vous êtes né? Isoronami. Fansan, préfecture Kourssa. Kourssa, Fansan. Quelle est votre profession? Bara. Ouvrier. Ouvrier. Ouvrier, quel genre? Ouvrier Kassia. Assoujouma. Julaya. Ouvrier Léodi. Julaya, marchand. Où vous êtes domicilié? Ici, New York. BCA. BCA. Alors, dites au tribunal ce que vous savez dans cette affaire. Kouyanya for tribunal nye. Ilonko, Kouyando. Bon, 28 septembre, sur Madala. Le 28 septembre, le matin. 7h. 7h. On était dans notre lieu de travail. Café là.
J'étais là-bas avec mon ami au café. Kenyan. Moi, je lui ai dit que je vais au terrain. Mais je vais à Amdalaï, Luma, à la maison. Quand je quitte là-bas, je vais au terrain. À l'arrivée de Carrefour Concasseur, j'ai vu une foule. Bon, j'ai suivi cette foule-là. Nous avons fait ensemble. Je suis parti au terrain. Arrivé au niveau des terrasses, nous avons trouvé Kegoro là-bas. Lui, il sensibilisait les gens. Il dit que les gens n'ont qu'à se retourner. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête de l'indépendance, anniversaire. Il y a quelqu'un parmi nous qui dit, ah, c'est faux, il ment, allons-y. Il a insulté ce dernier. Nous avons dépassé, nous sommes rentrés au terrain. Donc, on a un terrain. Nous sommes restés à 11h comme ça. À 11h. Moi-même, m'a appelé de me retourner. Sinon, je vais te maudire à cause de mes dessins là. Donc, tu vois, directement quand on cossait. De là-bas, je me suis retourné. Je ressortais tout juste du terrain. J'ai entendu les cris. J'ai escaladé les murs. Je n'ai pas pu arriver à la porte. Bon, maintenant, de là-bas, je suis sorti maintenant dehors. Nous sommes venus jusqu'à la station de Dixin en allant vers Bellevue. Maintenant, on nous a rencontrés avec les gendarmes là-bas. Oui, car ils ont fait des tirs là-bas. Ils ont tiré sur 4 personnes. Donc la balle m'est arrivée ici, au niveau du parti, pour sortir du dos. La population nous a pris là-bas. Ils nous ont envoyés dans une concession, dans le quartier là-bas. L'ambulance est venue nous chercher. Donc on est entré l'ambulance. On était à terre là-bas. Il y avait une personne qui était montée dans l'ambulance. Pivi Narabe Ama. Pivi est venu tomber sur lui. Donc on a coco entré là. Il dit non, vous ne montez pas. Donc on a coco entré là. Comme parce que Dieu ne kaukanya bo, kamo. Vous ne montez pas. Qui vous a dit de sortir? Est-ce que c'était pas dit de ne pas sortir? Donc la population ni Croix Rouge moi qui m'a dit. La population et les gens de Croix Rouge l'ont prié. Donc on a eu comme des gens comme un qui a dit 15 minutes même temps et douma. On était là-bas environ 15 minutes à terre. Donc on a dit un d'abord enfin. Il a accepté le pardon. Et on est donc. On nous a transporté à Donka. Donc on est rentré enfin. Nous sommes restés là-bas. Il y a un docteur que je salue très bien, Monsieur Kaba. Lui s'est occupé de moi. Donc on a coupé une 10 minutes de continuer ça. Ah, si tu n'arrivais pas ici, dans 10 minutes tu allais mourir. Parce que là où on nous avait pris, j'avais tellement perdu du sang, je ne voyais plus maintenant. Donc maintenant. Jusqu'à une semaine, il s'est occupé de moi, je ne voyais rien. Même le jour où Daddy s'est venu nous saluer, moi je n'ai pas tellement remarqué ça. Donc, ce qui m'est arrivé, c'est ça.
ce jour, est-ce que vous avez pu identifier certains militaires au stade? Ko sorosi were minare ma koni kiera sorosi kilin no naite. Non, botola mena tumba le kilimbini. Ah, quand je sortais, j'ai vu reconnu Tumba. Aduna. Il rentrait. Donc maintenant, je suis avec Tchegourou. Avec Tchegourou. Avec Pivi, je connais. Et Pivi, je connais, c'est ceux-là que je connais. Quand vous avez vu M. Tumba, qu'est-ce qu'il faisait? Tumba y est bolo, à très mounero, à très mounekiela, à mouna matre. À très mouna poussé, à doukadou, à connaître, à mouna boigne. Il poussait les gens, il écartait les gens pour rentrer dedans. Et M. Tchegourou, qu'est-ce qu'il faisait? Tchegourou, donc, votre monnaie qui est là? Non, comme un canyon, il faut que je sente visiter les gangs. À côté, moi, je suis terrain, je suis en train. Donc, comme je viens de le dire bien, lui sensibilisait les gens pour dire que les gens ne doivent pas rentrer dans le terrain, de se retourner. Et M. Pivi? Pivi, donc. Pivi, je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Donc, ce comme je vous ai dit, expliqué là, Pivi disait les gens de Croix-Rouge de nous débarquer, de ne pas nous envoyer, comme je l'ai dit là. Ils étaient quatre avec ces gardes-corps. Bon, c'est pas lui qui nous a tiré, moi seulement, c'est les gendarmes qui ont tiré sur moi. À quel niveau on a tiré sur vous? À Ifanjuma. Où précisément? Où? Qui vous quittez les terrasses pour les belles villes? Il y a une petite station là-bas. Là où il y a une petite station là-bas. Autour de cette station, c'est là-bas où ils ont tiré sur moi. Ministère public des questions. Merci, Monsieur le Président. Merci également, honorable assesseur. Monsieur Mamadi Kondé, oui. Vous êtes arrivé au stade à quelle heure précisément? Il sera terrain de Ouattouyouma. Vers 9h. Vers 9h. Et au moment où vous étiez arrivé, quelle était l'atmosphère au niveau de l'esplanade? Terrain très dit, Ouattoukoudoumouro, ici Ouattou. Bon, terrain. Il y avait une grande foule et dedans et de l'extérieur. Donc vous êtes venu trouver que le stade était, les portes étaient ouvertes. Les quatre là et dans la canne. Oui. Vous avez eu accès à quelle heure? Et où vous avez pris place? Et donnaient un wati kudu mindo. Ici la yoro du mafana. Ici il y a un kono. Je suis parti m'asseoir au Sahara, à côté des petits portions là. Les leaders sont arrivés à votre présence. Ko nyamo le leader waina le nyana. Aina da nyana me ma bo nyana. Ils sont rentrés devant moi, mais ils sont pas ressortis devant moi là-bas. Selon vous, à quel moment les tirs ont commencé au stade? Il est à Miriaro. Mouté d'Amina la Wati Gouma. Ne bonnet Wati, mais mouté d'Amina vers 11h. Bon, quand moi j'ai quitté là-bas, ils ont débuté, ça c'est vers 11h. 10h à 11h comme ça. 10h, 11h environ. Vous avez quitté avant les tirs ou bien vous avez quitté pendant que les tirs avaient commencé? Et bon là, les Yanni mouté, ou bien mouté d'Amina Nyana. D'Amina Nyana et Mboda. Ça a commencé, ça a débuté au moment où je sortais même. Par quel moyen vous êtes sorti du stade? Vous avez escaladé les murs ou bien par la porte? Il est sur il boira des indi qui banne mur là-bas. Donc j'ai escaladé les murs en venant vers les portes là. Il y avait une grande foule là-bas. Les gens étaient nombreux. Vous avez escaladé par où? De l'autre côté ou bien la cour en face de la porte? En face. Cour Bamiye Teleni Dabala. Ou bien cour Fando Ikigbanwa. Mais d'abord la terrasse. Bon, c'est en face, vers les terrasses.